Bonjour les gars, bienvenue sur un tout nouvel épisode de notre club FIFA 22, toujours avec 0€. Aujourd'hui les gars, ça sera un épisode assez spécial, tout simplement parce que c'est le début de la saison FUT Champions. On te souhaite bonne chance dans tes matchs. Nous les gars, cette saison, on va essayer de prendre un maximum de kiff. On n'est pas des joueurs pros. On va essayer de chercher des performances, mais pas forcément les meilleurs. Parce que on va essayer de tester des joueurs tout en kiffant. Voilà. Parce que le pay to win cette année, les gars, sur FUT Champions risque d'être très important. Franchement, si tu joues contre Mbappé, tu peux voir que c'est trop. Tu peux pas défendre sur lui. Donc voilà. Ouais. Aujourd'hui, la vidéo, ça sera nos premiers matchs FUT Champions avec toute nouvelle équipe. Si t'aimes la vidéo, le gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification. Et à nous suivre sur Twitch, tous les liens sont en description, comme tu peux voir à droite de Liam. Les gars, aujourd'hui aussi, il y a une nouvelle recrue. Il y a le point phare de notre nouvelle équipe, ça sera Karim Benzema, qui est un SBC pour le joueur du mois et qui est seulement 13 jours. Normalement, les joueurs du mois, les SBC, ça dure un mois. Mais là, comme c'est le joueur du mois d'août... Non, du septembre, je crois, non? C'est le mois d'août, donc là, c'est 2 semaines. C'est pour ça que c'est que 13 jours. Par contre, normalement, les SBC, normalement, ça va durer un mois pour les joueurs du mois. Ça, c'est la première équipe, les gars. Pour une équipe à 85, la première, du coup. Et la deuxième, ça serait une équipe à 87. Gardons en compte, les gars, que ce Karim Benzema, il coûte plus ou moins 120 000 crédits. Si t'as rien dans le club, il coûte 120 000 crédits. Nous, pour le faire, on a mis, je crois, entre 60 et 70 000 crédit plus ou moins. Le reste, on avait tout ça, on avait le reste en invendable dans le club. Donc voilà, c'est pour te dire que, bon, c'est cher, oui. Oui mais ça peut valoir le coup de jouer avec. Ouais, ça et aussi les gars, et débat parallèle ou pas pour Cristiano Ronaldo, le prix de son SBC c'est archi trop cher. Honnêtement, si tu le fais le Ronaldo SBC là, GG, parce que honnêtement faut avoir les reins solides. Personnellement les gars, on vous le conseille pas. Je préfère largement que t'achètes limite le once to watch sur le marché. C'est ça, limite à 2 500 000 ou même 3 millions, mais au moins t'as un once to watch qui est vendable et qui peut augmenter beaucoup plus que plus 1 seulement, si tu vois ce que je veux dire. Vraiment. Et à ce qui paraît, les gars, je me suis trompé, c'est le joueur du mois septembre et pas août. Ah, tu vois? C'est septembre et pas août. Oh, tu vois? Eh, hey, les gars, merci le chat. Et donc là, du coup. Bon, en fait, on a dû acheter Müller, Casemiro, Bonucci, après Chesney, je crois, on l'a veille. Et là, on va soumettre l'équipe. Et là, du coup, les gars, on a Karim Benzema pour 70 000 crédits, plus ou moins. Et son SBC coûte à peu près 120 000 à 130 000. Ce que j'ai dit, justement. Et là, on aura le KB9 avec deux petits packs. Ça peut être intéressant. Ouais, stade de vitesse, ça peut être un peu faible. Après, bon, c'est le style de Karim. Tu le mets chasseur, en fait. Tu le mets chasseur. Et là, même moteur pour un petit peu augmenter son agilité, équilibre. Après, la tire en finesse extérieure du pied. Physiquement, il va être plutôt bon. 80 en endurance, c'est correct. Tire incroyable, passe-long, ça peut peut-être être augmenté un petit peu. Ouais, moteur, les gars, je pense que c'est ce qu'on va lui mettre. Et il a tous les caractéristiques joueurs. Et ça, pour un buteur cette année sur FIFA, je pense que c'est quand même grave intéressant. On va juste ouvrir les petits packs, les gars, vite fait. Je m'attends pas grand-chose. Honnêtement, les gars, on s'attend pas grand-chose. Après, on va te montrer l'équipe sur laquelle on va jouer ce FUT Champions. Tu verras que cette équipe, elle est quand même très cheatée, on dirait. On va dire. Tu vois, s'il ferait peut-être un Karim Benzema flashback, avec moins de passes, peut-être un petit peu moins en tir, ça peut être sympa de faire un petit truc comme ça. Francisco, clairement, ok, bon les packs, on n'aura rien. Et du coup, les gars, on va vous montrer l'équipe de suite. Franchement, c'est une équipe, faudra qu'on vous montre la tactique perso. Parce que c'est vrai que c'est une équipe qui peut porter à confusion. Et il y a des petits points faibles dans cette équipe. Il y a des petits points faibles. Le point faible numéro 1, du coup, ce serait Diogo Jota. On va t'expliquer tout ça, les gars. On va vous expliquer tout ça. On met d'abord les joueurs là dans l'équipe. Et là, du coup, les refs, notre équipe avec le KB9, regardez ce que ça donne. Il y a une confusion, justement, entre soit Memané côté gauche, soit c'est Diogo Jota côté gauche. On va jouer dans un 4-4-2 pour le moment. C'est la formation que clairement on a trouvé le plus équilibré. Ou même un 4-2-3, ça dépendra du moment du match. Ou Karim Benzema, justement, jouera en formation en position de 10, donc en MOC. Mais là, pour le moment, on a décidé de mettre Mané dans l'axe et ça sera ça la composition in-game. Soit 4-4-2, soit 4-4-2, deuxième variation, avec deux MDC, Valverde, Renato Sanchez. Au niveau des instructions, ça sera rester derrière en attaque pour les latéraux. Pour les deux MDC, couper les lignes de passe, rester derrière en attaque, couvrir centre. Ça bouge pas. Diego Jota, ça sera revenu en défense dans le dos de la défense. Les mêmes pour Gelson. Et par contre, Karim Benzema, on va le mettre mixte attaque, rester devant. Mané dans le dos de la défense, rester devant. Allez les gars, c'est parti pour le premier match FUT Champions. C'est parti. Et Diogo Jota, est-ce qu'il est nul? Il est pas nul, mais il est cheaté. En fait, et le truc, c'est qu'il manque un peu de vitesse. Mais moi, j'aime bien son style de jeu en fait. Non, et tu vois, c'est un de ces joueurs en fait qui est sous-côté. C'est-à-dire que quand tu vas jouer contre lui, tu dis, ah, il pue. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est là le danger, il est là. Allez les gars, il est là. Le premier match FUT Champions, les gars. Waouh. En vrai, c'est prenable. Là aujourd'hui, prends l'espace. Bien joué, Mané.
Allez, Jason Martins, quand on pose. Et il y a après Midfield Champions. Oh, le rebond. Pas d'hors-jeu. Oui, Karim. Pas d'hors-jeu, la finition top. Il est jeune encore, mais il est pas si si jeune que ça, tu vois. C'est pas un Kamavinga par exemple. T'as un finishing rouge et Karim Benzema me le met. Tu dois pas stresser par rapport à Foot Champion. Si tu peux pas, tant pis. Si tu peux pas jouer, t'as même pas le temps, tant pis. Oh là là, par contre cette mine, j'adore. Top. Allez, encore 19 autres matchs. Quand tu dis ça, waouh. Le deuxième match, on va affronter Nkunku, Gabi Jesus. Une belle équipe. Il attention. A la croix. Attention, c'est cheaté ça. En tout cas, c'est bien parce que physiquement, tu sens qu'il est présent quand même, le Nouévé. Tu sens qu'il est présent physiquement et même offensivement. Yes, sir. Ça part de KM cette action, les gars. Merci. C'est que tu. 40 000 crédits, 50 000 crédits, c'est que voilà, le goal ne sort pas. Yes. C'est que tu ne mets pas de pression après derrière sur tes épaules. Ouais, parce que Koundé, c'était face à la Bosnie, à Strasbourg, la Méno, quand il avait joué en tant que défenseur droit, carton rouge et tout. Oh là 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 là. Magnifique. Surtout s'il fait jouer dans un poste un peu plus reculé, tu vois, un peu plus en tant que 10. Ouais, mais après, si tu veux un décès de qualité aussi. Oh, le missile. Kimpembe, c'est la pièce maîtresse d'un bon défenseur de ce début de FIFA. J'aurais fait exactement la même. J'aurais fait exactement la même sur le petit piqué. Attends, c'est la fin du match. Voilà. Oh là 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 là, les gars. Désolé, mec, c'est la fin du match. Je préfère mettre le 6-0. Voilà. Chiche. Pour avoir une auto-qualification en FUT Champions. Eh, mais les gars, en fait, pour les playoffs, t'es obligé de chaque semaine de faire des playoffs. Pourquoi? Parce que là, c'est 2000 points de qualification en FUT Champions. Oui, alors. Chaque semaine, tu dois faire les playoffs. En plus de jouer Ravels, en plus de faire les 7 victoires à Ravels. C'est possible. Ok. Oh, le milieu de terrain, attention, parce que Goretzka, les gars, c'est très très fort, Goretzka. Allez, Gabi mauvais. Yes! Super, la contre-attaque. GG, Liam. Karim. Oui, oh mon gars! Yes! GG. GG, Liam, pour le troisième match. 3 victoires, 3 victoires. Non, 3 matchs, 3 victoires, les gars. Les gars, on va jouer en 4-2-3. Là, c'est pour terminer les deux derniers matchs, j'ai joué en 4-2-3. Style défensif, équilibré, largeur 55, profondeur 40. Équilibré, équilibré, largeur 50. Et niveau dispositif, c'est ça. Donc c'est Benzema en 10, Jota sur le côté et Mané en pointe. Jelson Martin sur le côté. Et au niveau des instructions, alors c'est Youssef Attal, rester derrière en attaque. Dest aussi. Pour les deux milieux de terrain défensifs, c'est défense équilibrée. En même temps, ouais. Non, je vais recouper les lignes de passe pour Fede Valverde. Rester derrière en attaque, couvrir centre. La même pour Renato. Ensuite, Karim Benzema en tant que 10, je vais mettre libre offensif. Jota, c'est revenir en défense. Jelson, revenir en défense. Et devant, c'est Dando, la défense, rester devant. 3 matchs, 6 buts, 3 passes D. Hey, c'est un super ratio ça pour Benzema. Hein. Top. Allez, en le 4ème match, les gars. En tant que 10 et buteur, moi j'aime bien. Allez, maintenant. Ok, c'est une full PL avec Kimpembe et Marquis derrière. Et Alan. Alan au milieu de terre aussi, les gars. Fais très attention à ça. Alan, très fort. Oh, magnifique. Lui. Magnifique. On a un petit speed up lag, les gars. Allez, tire. Oh GG, mais tu tires. Oh là là, Koundé. Magnifique. Rien à dire. GG Liam, ça les gars, c'est un match qui aurait pu mal se terminer. Parce qu'à la mi-temps, on perdait 1-0. À la mi-temps, on avait 0,4% de chance de but. Et là, je vais voir maintenant les chances de but qu'on avait. Ouais, je sais qu'en deuxième mi-temps, il y avait beaucoup moins d'occasions. Mais en première, on n'a pas pris notre temps, on n'a pas assez pris l'espace. Et regarde juste moi les détails du match. En fait, c'est ça la clé des gars offensivement. Ouais. C'est juste de prendre son temps. Tu prends ton temps offensivement parce que tout le temps, en fait, les défenseurs ils vont essayer d'anticiper. Ouais. Et en fait, la clé dans FIFA, les gars, vraiment, vraiment. C'est concentre-toi sur le porteur de balle. Quand dès que t'as la balle, concentre-toi sur le joueur que tu contrôles. Tu verras que les appels ils vont se faire automatiquement après au tour. Si tu perds trop de matchs, justement, concentre-toi sur le porteur de balle. Parce que généralement, c'est que t'es trop prévisible. Allez les gars, le dernier match de cette vidéo, du coup, notre 5ème match. Qu'est-ce que ça va donner? Pas de grosses équipes, s'il te plaît. Ouf.
Neymar, Vinicius. Bon, sur les côtés, je vais douiller un peu, non? Faut jouer vraiment du vrai foot, quoi. C'est ça aussi qui est cool. Bon, après, ça dépend. Oh, dommage, ça c'était du vrai foot. Oh, dommage, là. Est-ce qu'il bouge son goal? Ouais, il bouge son goal. Pas d'enjeu. Oh là, dommage. C'est Neymar. Ah, bien joué à lui. Neymar, c'est pour ça, les gars, je vous ai dit en début de vidéo, le pay to win cette année, c'est chaud. Oh, bien joué, bien, super. Oh la vache. Comme les mecs, on a trop de chance. Oh, magnifique. Magnifique, mec. Choqué, mec. Caca culotte. Dommage, mec. Passe bien par les côtés. C'est là où tu feras la diff. Tire. Dommage. Il allait à contre après, presque. Prends l'espace. Oh, mais les gars, mais c'est trop. Qu'est-ce qui se passe, mec? Non, c'est le contrôle, c'est le contrôle. J'ai pris le temps de contrôler. On a gagné la serre. C'est bien, Navas. Merci, Navas. Merci. Comme un effort cette année? Ouais, comme un effort. Voilà, il est énorme. Comment il est très très fort. Oh les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Yalla. C'est pas possible, le match est pas terminé par contre, mec. Le match est vraiment pas terminé. Là ça va switch là. C'est Neymar. Oh là là, quel arrêt. Oh là là. Calme. Dommage, 67ème. Super ça. Allez. Ça c'est la. C'est le tournant du match. Tranquille. Continue, 80ème. J'ai déjà lu. C'était normal les gars, c'est normal que le game allait switch comme ça. Ouais, ah, on avait trop de trucs. Non, mais vraiment, c'est pas beau, mais on avait trop de trucs en notre faveur. Ça, c'est franchement, les gars, ça se sentait. Il y avait trop de trucs en notre faveur. Et en fait, c'est là maintenant la clé du match, ça sera de contrôler nos émotions par rapport à ça. Je te conseille Roberto Firmino à la place de Correa. Super, c'est super bien joué, mec. Ça, franchement, c'est top. Là, t'étais super. Franchement, là, t'étais imprévisible et tout. Là. Super bien joué. Dommage. Alors là, mec, concentre-toi, kick-off. Waouh! Concentre-toi, kick-off, mec. Allez, Talisca. Super, Talisca! Super! Je savais qu'il allait bouger le goal. J'ai vu, donc je savais que j'ai dit, vas-y, je vais me faire une touche en plus. Comme ça, je pourrais viser le premier poteau. Super, c'est pas terminé. Tu auras dû tacler, Renato. Si tu sens que tu veux me dire tac, tac. Voilà, défends bien. Allez, touche plus à balle du match. Touche plus à balle du match. Attention, il va mettre un gros pressé. Touche plus à balle du match. Faut siffler l'arbitre en touche. Voilà, les gars. Je vais pas mentir, c'était l'adversaire le plus coriace. Hein. Ouais. Dès qu'il a activé son pressing, mes joueurs, c'était des légumes. Je vais pas vous mentir, les gars, c'était un super adversaire. J'ai déjà lui. Franchement, c'était un 50-50. C'était un 50-50 ce match là. En fait c'était ce genre de match là qui te faisait basculer de hors 1 à élite l'année dernière. Donc là ça nous fait quoi, 5 matchs, 5 victoires? Ouais. J'ai l'impression les gars, on a joué du top 200 là. Ah GG, non franchement c'est exceptionnel. En tout cas les gars, franchement j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ouais. Si t'as kiffé la vidéo, 5 matchs, 5 victoires en fut champion, ces gars, avec le compte à 0€ comme d'habitude. Franchement honnêtement, on remontre la dernière fois les tactiques perso juste comme ça. Pour ceux qui avaient des petites questions, on va juste remontrer les tactiques perso juste après, la manière dont on jouait une game. 5 matchs, 7 buts, 6 passes, les gars. On valide. On valide très fort. Après très on va donner un avis beaucoup plus définitif à la fin du fut champion avec Karim. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là c'était que 5 matchs, mais c'était quand même 5 matchs assez puissants. Donc ça c'est nos tactiques perso. En dispositif, ça donne ça. La plupart du temps, j'ai joué Karim Benzema en tant que numéro 10, tant que buteur. Un petit peu plus reculé sur le terrain, mais il est très fort là. Cette position sur le terrain, très très fort. Mais il y a un petit problème, c'est qu'en fait, comme il y a moyen, des fois, je l'ai trouvé un peu trop bas.
au niveau de terrain. Tu vois, au milieu de terrain, j'ai trouvé un peu trop bas et pas assez devant parce qu'il a moyen comme rendement élevé et faible. Donc bon, ça faudra voir. Donc au niveau des instructions, c'est rester derrière l'attaque, etc. Les gars, on l'a déjà montré, mais bon. Franchement, là je suis content parce que c'est la pression elle redescend un peu. Ouais. Là, il nous reste 15 matchs. Faudra faire le calcul le nombre de points qu'on pourra avoir. Ça c'est futile. Ça c'est futile. Ouais. C'est futile. Ça c'est à côté. En tout cas, alors, si vous avez kiffé cette vidéo, le gros pouce bleu, ça serait énorme les gars si on peut dépasser les 3000 likes pour cette vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications. Mon prénom c'est Vincent. Moi c'est Liam. Prends bien soin de toi. Bonne chance pour tes matchs Fut Champions les gars. C'est qu'il y a un jeu. C'est vraiment important. Ok. Bisous les BG. Au revoir.